Samedi matin, des milliers de Nigériens se sont rendus devant le stade Seni Kouché dans le centre-ville de la capitale, Niamey, pour s'inscrire comme combattants volontaires. Ces hommes qui répondent à un appel de plusieurs organisations seront éventuellement mobilisés en tant qu'auxiliaires civils de soutien aux forces armées. Inch'Allah, je vais être militaire. L'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger, c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Je veux m'engager pour le Niger. Vive le Niger. Dans la formation qui a été lancée, en disant qu'ils ont besoin de 10 000, 5 000 ou 10 000 soldats volontaires. La raison pour laquelle je me suis présenté ici. Certains parents ont même encouragé leurs enfants à s'inscrire. Des groupes de jeunes sont venus manifester leur soutien à la junte et leur colère contre la CEDEAO et l'ancien dirigeant colonial du pays, la France. Je suis une mère militaire. Les jeunes volontaires, nous vous attendons. Dès maintenant et jusqu'à demain, c'est ce que j'avais à dire au nom de Dieu. On vous attend. J'espère que vous allez nous sortir de toutes ces difficultés. Bien qu'elle soit au courant de cette initiative, la junte n'a pas appelé de volontaires pour défendre le coup d'État. Parallèlement, une délégation ouest-africaine vient d'arriver à Niamey pour tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier.